stones may build a home for the house that needs you inside. You're looking pretty, I'm sure. Knock on my door, it's always open to you. So throw it open all the way and let the house see the day. Let us look over the view. Come on and round their whetstones of fire, their whetstones in cold and black light. Bonjour à tous, c'est Rico et bienvenue dans Featuring Rico. Aujourd'hui, le test, la review complète de Sherlock Holmes Crimes and Punishments, un jeu déconseillé au moins de 16 ans. C'est de type réflexion, jeu d'enquête pour vous simplifier. Le jeu était vendu au départ entre 40 et 60 euros, tout dépendait du support sur lequel on allait se le procurer. Il nous est arrivé le 30 septembre 2014, édité par les Français de Focus Homes Interactive et développé par le studio ukrainien Frogwares. Le jeu est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC, Xbox 360 et PlayStation 3. C'est la version PlayStation 3 qui vous sera présentée lors de cette review. Et oui, il y a encore des personnes comme moi qui n'ont pas abandonné les supports old-gen. Bref, quoi qu'il en soit, on va direct se lancer. Alors Sherlock Holmes, hein, faut-il présenter le fameux personnage de fiction inventé par l'écrivain anglais Sir Arthur Conan Doyle, détective aux méthodes et aux tempéraments parfois extravagants et qui, faut le dire, que bon nombre de romanciers et de scénaristes contemporains se sont inspirés pour leurs livres et leurs séries télévisées, je ne pense pas. Holmes est bien sûr dans cet opus toujours accompagné du fidèle Dr Watson, très bien retranscrit, et il faut tout de même signaler, c'est voilà, la quasi-totalité du casting des autres protagonistes est assez crédible, malgré le manque de VF qu'on regrettera. Vous l'aurez compris, le jeu est en anglais sous-titré français, comparé au dernier épisode, notamment le testament de Sherlock Holmes, que je vous conseille vivement pour peu que l'univers vous intéresse. On va rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous prévenir d'une chose si après cette vidéo vous comptez vous le procurer. Ne croyez surtout pas que vous verrez Sherlock Holmes dans le jeu faire du jujitsu brésilien ou je ne sais quel sport de combat pété qui anticipe le futur comme avec Robert Downey Jr. dans les films. Non, ici on va principalement se servir de sa matière grise et résoudre les énigmes de 6 enquêtes plus machiavéliques les unes que les autres. 6 enquêtes qui vous prendront environ entre 1h30 et 2h30 pour les finir, ce qui donne une durée de vie moyenne avoisinant les 10 à 12 heures, et cela peut sembler assez court. Oui, parce que il va être difficile de rester bloqué au cours de vos investigations, et je tenterai de vous l'expliquer preuve à l'appui. Mais avant tout, procédons dans l'ordre. Qu'avons-nous remarqué jusque-là? Même si on travaille cette fois avec l'Unreal Engine, force est de constater que l'aspect graphique et technique sur old-gen laisse à désirer. Tearing à outrance qui pique les yeux, clipping, collision maladroite, mur invisible, texture baveuse ou retardée durant un changement de zone, micro-freeze lors de sauvegarde automatique, animation saccadée et j'en passe, mon cher Watson. Bref, vous l'aurez compris, c'est à la ramasse. Si cela peut nuire un tant soit peu à l'immersion, que dire des longs? Non, je reformule, des très longs temps de chargement qui s'effectuent lors d'un trajet d'un endroit à un autre et qui sont assez conséquents. J'ai pris la peine voilà, de compter 20 secondes et les preuves visuelles que je vous mets à disposition sont accablantes de vérité. D'autant plus que, comparé aux versions next-gen, on ne peut pas consulter notre carnet d'enquête ou établir nos déductions en attendant notre prochain arrêt. Déplaisant, n'est-il pas? À ce niveau du test, on pourrait classer l'affaire et en suivre une autre. Cependant, ne faisons pas de conclusions hâtives. Si j'ai volontairement énuméré d'emblée les divers défauts du soft, ce n'est pas pour que vous preniez vos jambes à vos coups et zappiez une partie du test. Bien au contraire, cela va sans dire. Parce que ce qui va faire tout de même la force du jeu, parce qu'il en a, c'est l'application scénaristique hautement maîtrisée des développeurs qui va réussir à nous tenir en haleine. J'insiste grandement sur ce point. Certes, ils n'en sont pas à leur premier coup d'essai, et au fil des années ainsi que de leur expérience, le sujet est de plus en plus convaincant. Vous l'aurez compris, c'est l'aspect recherche au travers des histoires contées qui va tant soit peu retenir notre attention. Découvrir le dénouement final et ainsi désigner notre coupable vis-à-vis de notre logique une fois les indices rassemblés va clairement nous impliquer intellectuellement, et peut-être pour vous, émotionnellement.
D'autant plus que cette fois, l'erreur est de mise. Car effectivement, vous pouvez vous tromper et envoyer un innocent au choix à la potence ou l'absoudre si pour vous le criminel avait des circonstances que vous pensiez atténuantes. Si sur le papier cela semble glorieux, en réalité cela manque ouvertement d'ouverture. Laissez-moi vous expliquer. Comme tout jeu d'enquête qui se respecte, on se retrouve dans un monde extrêmement cloisonné de type point and click. Nous passerons volontiers le cas et les noirs, merci. Jusque-là, ce n'est pas un reproche. Toutefois, et cela malgré les mécaniques et nouvelles mécaniques mises à disposition, comme par exemple se déguiser pour infiltrer un milieu de classe précis, chercher un article dans les archives, utiliser la super perception qui permet de détecter des indices invisibles et d'en faire une autre déduction, la reconstitution mentale d'événements antérieurs ou ultérieurs qui projettent des images, ou bien encore l'analyse d'un individu, rien n'est insurmontable parce que hélas, nous sommes bien trop assistés. Ceci rend malheureusement le jeu fortement dénué de toute difficulté et le fait en plus de pouvoir passer les différentes énigmes sans les faire ne va pas nous corser la chose davantage. Un comble pour un jeu d'enquête. Il faut donc parfois se laisser prendre par le jeu, guider, tenir par la main et souvent suivre la direction proposée sans vraiment pouvoir y changer quoi que ce soit sous peine de ne pouvoir obtenir toutes les conclusions possibles de l'enquête. Ça c'est quand même aussi très regrettable. Non linéaire dans sa construction, ce qui est un très bon point positif, le jeu hélas le devient par ses déductions trop restreintes et forcées. Autrement dit, lors de vos rassemblements d'indices, vous pouvez toujours bifurquer sur un autre choix si en l'occurrence vous avez suffisamment d'éléments accusateurs à votre disposition. Ceci via un système de liaison qui formeront des neurones qui convergeront ou pas l'un vers l'autre afin d'établir de nouvelles déductions, là encore avec un neurone plus conséquent. Malheureusement, avec ce double système de choix, le jeu de piste-fausse piste devient quelque peu tronqué. Les deux premières enquêtes le rendront pour ma part plutôt bien, mais ce n'est plus le cas dans les suivantes. Après, on se contentera voilà, par la suite de trouver les indices dissimulés ici et là, et puis ensuite, selon ce qu'on a obtenu, de suivre le dénouement qu'impose le jeu, si on en a raté, bien évidemment. Ceci est un fonctionnement classique et normal, je ne vais pas le nier, mais voilà, ce système ne nous implique pas assez dans la conséquence et la gravité de nos choix, ainsi que dans nos accusations. D'autant plus que si vous pensiez vous êtes trompé, le jeu vous proposera de faire machine arrière lors de votre ultime conclusion et d'ainsi désigner le véritable coupable au bout de quelques essais si le doute vous habite. Alors, certes, vous êtes prévenu que cela pourrait nuire à votre expérience de jeu, mais dans ce cas, je vous pose la question, cher viewer, ne croyez-vous pas qu'il serait plus raisonnable de ne pas le proposer ? Là, je vous laisse libre de votre choix. Pour ce qui est du gameplay, on y vient, les commandes sont très simple, une touche pour ouvrir son carnet, voilà, y relire les indices, les dialogues précédemment passés, les résumés, objectifs, etc., etc. Une autre pour courir, une autre pour interagir, dialoguer, ramasser, une autre aussi pour passer à la première personne, et une dernière, enfin, afin d'entrer dans votre esprit de déduction peu commun, et y relire les indices, voilà, afin d'y bâtir vos raisonnements. En somme, rien qui ne vous sera inaccessible. On en vient aux musiques, les musiques quant à elles ne rajoutent vraiment rien aux mises en scène, à tantiner plate par moment. J'ai trouvé qu'elles étaient bien trop discrètes. Malgré ça, malgré tout ce que je viens de dire, le jeu a des qualités. Faut quand même le signaler, il y a six enquêtes qui ont chacune leur charme. Il y a de très bonnes idées et Sherlock Holmes il pue la classe dans cet épisode. Je tiens vraiment à préciser ce point. En même temps, son apparence a été légèrement inspirée de l'acteur Jeremy Bett qui jouait dans la série dans les années 80-90. En parlant d'acteurs, les doubleurs anglais ne sont pas tous égaux, mais ça reste convenable. Dans ce cas, que dire de plus si ce n'est que Frogwares montre qu'ils connaissent parfaitement leur sujet et que ce sont des passionnés. Ça, c'est une qualité. Parce que, entre nous, soyons francs, ce Sherlock Holmes Crimes and Punishment, personne ne l'attend, mis à part moi qui l'attendais depuis quasiment un an avec le trailer que vous avez vu au début. Mais il va pas se vendre par palette de 12 comme des autres jeux que je vais pas nommer qui ont des campagnes marketing plus élevées que le PIB du Malawi. Là-dessus, ça c'est élémentaire. Nous en venons donc à la conclusion de ce Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Je vais donner mon avis. Je rappelle qu'un avis est subjectif, ce qui peut être des défauts pour certains, ne l'est pas forcément pour d'autres, et inversement, j'ai apprécié, moins que le testament de Sherlock Holmes sorti quelques années plus tôt, pour moi il manque un fil conducteur dans tout ça, qui me donne vraiment l'envie de pleinement y croire.
Je l'ai trouvé aussi trop court et les temps de chargement qui gâchent le rythme. Alors déjà que les jeux d'enquête, c'est lent. Mais alors là, c'est lent, mais comme il faut. Je mets de côté la technique et l'impression globale que j'en ai, c'est que c'est pas assez. C'est pas assez, c'est bien pensé, les scénarios sont très bons. On se prête parfois à sourire face à quelques tirades de Holmes et Watson l'un envers l'autre. Et puis aussi, surtout, devant Holmes, hein, qui reste devant qui a un flegmatisme à toute épreuve, même devant un compliment. C'est assez drôle, faut aller voir. Alors, la grande question qui nous brûle à tous les lèvres, c'est est-ce que c'est un bon jeu ? En un mot commençant, le personnage de Sherlock Holmes, son univers, tout ce qui l'entoure, on aime ou on n'aime pas. Mais si c'est le cas, autant une fois s'y laisser tenter et à bas prix si possible pour s'en convaincre. Là-dessus, je vous laisse seul juge. Ce sera ma conclusion, mon avis, j'ai nullement besoin d'argumenter davantage. Les jeux d'enquête se font déjà assez rares. C'est peut-être même le dernier jeu d'enquête de cette série. On n'espère pas, moi personnellement j'espère pas, parce que Frogware parvient vraiment de plus en plus à être crédible et créatif dans cette rare série qui nous est proposée sur PC et sur console. Je pense qu'on peut les remercier et remercier aussi Focus Home Interactive, des Français, je le rappelle, voilà, qui ont offert un budget pour réaliser ce genre de jeu dont des gros éditeurs se torcheraient royalement, disons-le. Bon, ils ont peut-être pas mis suffisamment la main à la pâte pour avoir une version française, mais on peut bien leur pardonner ça. Voilà. Donc, est-ce que c'est un bon jeu ? Il est moins bon pour moi que le Testament. En tout cas, sur cette génération-ci sur console old-gen, parce qu'il n'y a pas vraiment de grande amélioration technique sur les consoles précédentes. Par contre, si vous voulez vraiment être un peu plus immergé, un peu plus, voilà, parce que les jeux cross-gen, on sait bien ce que ça va donner, hein, c'est un peu des versions downgrade là qu'on vous refoule un petit peu sur Xbox 360 et sur PlayStation 3. Allez plutôt faire les versions PC ou les versions nouvelle génération comme la Xbox One et la PlayStation 4, vu qu'il n'est pas sorti sur Wii U ce jeu, un peu la console des délaissés, soi-disant passant celle-là, mais enfin bon. Donc voilà, hein, si vous voulez vraiment vous laisser tenter, ce sera pour ma part à bas prix. Et sur console nouvelle génération pour vraiment pas que ça vous pique trop les yeux. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je tâcherai d'y répondre. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, soignez-vous bien et d'ici là, faites beaucoup de jeux. C'était Rico, allez, salut !